Si grâce à l'émission Danse avec les stars, Denitsa Ikonomova a gagné en notoriété, elle souhaite désormais se consacrer à d'autres projets. Toutefois, dans les colonnes de Téléstar, l'artiste a fait savoir qu'elle pourrait potentiellement revenir dans le programme phare de la Une à une seule condition. En février 2024, le coup d'envoi de la nouvelle et 13e édition de Danse avec les stars a été donné sur la première chaîne. Pour le plus grand bonheur des aficionados, la production a soufflé un vent de nouveauté sur l'émission. Si Chris Marc a répondu présent, Jean-Marc Généreux a également orchestré son grand retour au même titre que Fauvoto qui s'illustrait auparavant aux côtés des candidats. Le trio fait également équipe avec la nouvelle jurée Melle Charlot. Face à eux, un énième parterre de stars a accepté de relever l'ultime défi, enflammer le parquet du programme pour succéder à Billy Crawford, sacré grand vainqueur de la saison précédente. Mais voilà 2 ans que Denitsa Ikonomova ne figure plus au casting au grand dam de nombreux fans. Ayant envie de découvrir de nouveaux horizons, la célèbre danseuse a abandonné le navire pour s'épanouir dorénavant en tant qu'animatrice sur RMC Story lorsqu'elle ne potasse pas de multiples projets avec sa troupe. Elle se défend d'ailleurs de vouloir prendre un jour la place de Camille Combal, actuellement aux commandes de Dal. Je n'ai pas cette prétention-là, a assuré l'ex-complice de Ryan Bensetti dans les colonnes de Téléstar. Denitsa Ikonomova n'exclut pas un retour dans Danse avec les stars à son sujet. Denitsa Ikonomova ne tarit d'ailleurs pas d'éloges. Il est tellement parfait dans cet exercice. Mais pourquoi pas être à côté de lui dans une future saison? Je trouve qu'il manque ce duo d'animateurs dans Dal. En attendant, elle ne regrette rien de son départ du programme, j'ai fait ça 10 ans. C'était vraiment génial, a reconnu la pétillante brune. Et de compléter avec philosophie, mais j'ai à présent 37 ans, d'autres aspirations, d'autres envies. J'ai créé ma société liée à l'écologie. J'ai également des propositions pour être directrice artistique. J'ai envie d'être dans la créativité, et pourquoi pas, derrière la caméra. Je suis tout le temps en recherche de challenges. De belles ambitions qui prouvent qu'une page est belle et bien tournée. Reste à savoir jusqu'à quand.